Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va se faire un petit pack opening, on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti. Et donc du coup on se retrouve devant le petit pack opening. Alors le truc, c'est que le coffre d'or, finalement j'ai eu une petite surprise au moment où je l'activais, tu vois, au moment que tu l'actives là et que ça dure 8 heures là. Et ben au moment où je l'activais, j'ai vu que c'était écrit en dessous que c'était un coffre d'arène 7. Waouh! Et je m'en étais même pas rendu compte. Ah ouais, non, je suis comme ça. Donc ça se trouve, il y a peut-être les coffres d'argent aussi, un ou deux. Non, ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait. Mais bon, peut-être, on s'en fout. On s'en fout. Alors du coup, ce qu'on va faire. Je me perds. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va ouvrir les coffres d'argent pour commencer. Après, on ouvrira les coffres gratuits, après coffre d'or, et après, on fera des attaques. Voilà. 42 d'or, ça fait plaisir. 3 squelettes, c'est plutôt cool. 5 gobelins à lance. Ouais, gobelins à lance. Mais y a même pas à réfléchir, gros, ça fait plaisir les gobelins à lance. Hein. Bah oui, hein. Ça fait toujours plaisir. Hein. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner 51 d'or, ça fait vraiment plaisir. Je crois que c'était 42 juste avant, donc on est passé de 42 à 51, ce qui est plutôt pas mal. Une Tesla, ouais, donc ça commence petit. 7 électrocutions. D'ailleurs, l'électrocution, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, l'électrocution aujourd'hui, aujourd'hui, étant donné qu'on est le 24, et ben ouais, 4 jours de différence. T'as vu ça un peu? On est le 24 et cette vidéo elle est le 28. Waouh! What the fuck? Si ce n'est pas plus, attends. Le 30! Oh, 6 jours de décalage, mon gars! 6 jours de décalage, mais c'est un truc de malade! Donc géant royal, électrocution, voilà, électrocution, durée étourdissement réduite à 0,5. De 1 à 0,5. Donc vous imaginez un petit peu, au lieu que ça dure une seule seconde, et ben ça dure carrément 0,5 secondes. Ce qui est tellement faible. C'est un clignement d'œil, mon gars, c'est un truc de fou. T'as même pas le temps de cligner de l'œil que l'autre il est déjà reparti pour détruire ta tour. Enfin, ça sert à rien. En fait, la seule chose qui est bien dans ce truc, c'est la réinitialisation de la tour de l'enfer. C'est tout. Sinon ça sert à rien. Il sert à rien ce machin. Il sert déjà quand c'était à une seconde, il servait pas à grand chose, mais ça allait, c'était plutôt pratique. Mais alors là, il fait pas de dégâts. Il étourdit pendant 0,5 secondes, ce qui est que dalle. Et puis il réinitialise la tour de l'enfer. Waouh, super. À la limite, il peut peut-être tuer une princesse. Mais j'ai envie de te dire, c'est vraiment une petite utilité. Hein. Tu prends des flèches, c'est limite mieux. Hein. Non, franchement, ils auraient pas dû. Ils ont touché quelque chose qui était parfaitement bien équilibré, qui le rendrait très bien. Mais malheureusement, il faut toujours qu'ils fassent de la merde de toute façon. Bon, alors on continue parce que c'est pas le sujet du jour. Mais bon, malgré tout, c'était important. Ah, toi, t'as arène 7, toi, pour gagner 60 comme ça. T'es pas arène 6, c'est pas possible. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Cabane de gobelins, waouh, super. Et 8 gargouilles. 8 gargouilles, ça fait plaisir. Parce que les gargouilles aussi, j'aimerais bien les augmenter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le coffre de gratuit. On va voir le coffre gratuit, ça sera déjà mieux. 56 d'or, ça fait plaisir. Une Valkyrie, de plaisir. Et 7 gobelins, toujours aussi défoncés qu'avant. 7 gobelins, ça fait plaisir. Comme je les appelle, les mini-vers maintenant. Je vais les appeler les mini-vers maintenant. Ouais, les mini-vers, ça fait plaisir. 63 d'or, franchement, ça c'est cool. Et vous avez vu, ce qui est bien, quand tu mets toujours les mêmes troupes et que tu améliores pas les autres, et ben t'augmentes en or et du coup tu te sens riche après. Bon, pour l'instant, j'ai que 4000. Je les ai même pas d'ailleurs. Mais j'ai que 4000. Mais après, si j'économise vraiment, je vais avoir du 20 000, du 30 000, du 40 000, 100 000, 1 million, mon gars, je vais devenir millionnaire. Il y a un moment, je ferai je suis devenu millionnaire sur Clash Royale. Oh là là, enfin bon, donc tour à bombe et mortier, mortier, tour à bombe, ça reste des bâtiments défensifs que je n'utilise pas du tout. Parce qu'en fait, j'en utilise aucun, j'y arrive pas. À la limite, le canon, il y a peut-être un moment où il faudrait que j'essaie de faire un deck avec. Mais pour l'instant, franchement, j'ai pas la tête à ça. Voilà, donc du coup, coffre d'or, qu'est-ce que tu me donnes? 183 d'or, ça fait plaisir. Et
deux géants royales, la preuve qu'il est niveau arène 7. T'as vu, je t'avais pas menti, hein. Je t'avais pas menti, donc deux géants royales. J'espère avoir de la légendaire. Tu vois, légendaire, arène 7. Tu m'as compris, quoi. Ouais, tu m'as compris. Petite princesse, là. Trois mousquetaires, ça fait plaisir. Et 23 gobelins à lance, ouais. Non. Ah, ça va. Disons que le bébé dragon, ça va. Sorcière, bébé dragon, ballon, surtout le ballon, j'aime bien le ballon. C'est les trois principaux, à la limite, je vais pas être désespéré. Mais j'attendais une princesse, mon gars, donc t'imagines un petit peu le niveau, tu vois, il y a une désespération quand même, tu vois. Une désespération, ça existe pas, c'est pas grave. Regardez, ouais, franchement, au niveau des épiques, il y a pas grand-chose, hein. À la limite, ça, à la limite, le miroir, à la limite. Sort de poison vite fait, groupe de... Enfin bon, voilà, c'est nul. Ouais. Bon, c'est vrai. Après, il y a sort de rage, c'est vrai qu'il est pas mal, mais bon. Ouais, c'est vrai que sort de rage, effectivement. Ouais, voilà. Bon, il y a quelques-unes qui sont pas mal, mais bon, c'est pas fameux non plus, tu vois. C'est pas épique, tu vois. Les cartes épiques sont pas épiques, elles sont rares à la limite, mais... enfin bon. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour attaquer, puis après, on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti. Et c'est parti les gars, on se retrouve contre Redfish qui est niveau 8, donc bonne chance mon petit. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer du molosse de lave les gars, et là on va se faire plaisir, c'est moi qui vous le dis. Alors là, voilà. Et donc du coup avec le petit molosse de lave, vous allez voir que... Qu'est-ce que c'est que c'est maintenant? Quel... Oh là là, bon, allez hop. Non mais c'est ces chaises à la roulette là, oh là là que c'est chiant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. S'il y a possibilité. S'il y a possibilité. Ouais, Non, attends. Il y avait forcément un truc. Bon, malheureusement, j'ai pas fait grand chose. Est-ce que je fais du Valky cochon? Eh ben, largement pas, parce que mon gars là, sinon je vais me faire exploser. Non. Oh. Genre, elle est pas morte avant, quoi. Oh, je m'y attendais pas. Mais alors, pas du tout. Ah, ok. Bah, le mos de la qui s'est mis tout seul. Bon, bah, pourquoi pas. Tu sais, quand je touche la roulette, là, la roulette de la souris, bah, tu sais, ça touche l'écran, là, du logiciel, tu vois. Donc, du coup, bah, ça pose des troupes, des fois, que t'as pas envie. Enfin, ça pose des troupes à certains endroits, tout ça. Enfin, bon, voilà, c'est bon, on s'en fout. Donc, du coup, alors, tu peux me tuer un petit peu ce guerrier, là, ce foufou, là. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, là? T'as toujours ta boule de feu, toi? Ça passe ou pas? Oh là là. Mais c'était nul! Mais un point, mon gars! Mais c'est un truc de fou, hein. Ah, mais c'était tellement nul! Oh là là, je te jure! C'était un truc de malade. Quoi? Mais toujours pas mortel! Mais ouais, regarde, t'as vu? L'autre qui met 2 ans à spawner! C'est un truc de malade! Bon, si tu pouvais... Voilà, éviter de... Hein. Ce qu'on va faire. Et mince, la boule de feu. Mais pourquoi je suis con comme ça? Quoique. Non, ça passe pas. Ça. Oh, quoique. Ah, mais c'est bizarre, ça passe, mais sans plus, quoi. C'est. Oh, c'est chelou. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Et à mon avis, là, je pense qu'il y a moyen de faire du dégât. Hein. À mon avis, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire du dégât. Ce qu'on va faire. On va mettre un petit sort de rage. Possibilité. Possibilité. Ouais. Tu mets pas ta boule de feu, espèce de fou. Mais le fou, il met pas sa boule de feu. Bah, mets ta boule de feu. Mais pourquoi tu mets pas ta boule de feu? Pourquoi le mec, il met pas sa boule de feu? Mais il est complètement malade. Il a envie de se faire trucider la tête. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le molosse de lave. On va mettre ça, à la limite. Et puis, on va mettre... On va mettre ça, voilà. On va mettre ça, voilà. On va mettre un petit sort de rage. Mais on va le mettre où le sort de rage? Ah, bah je sais. On va le mettre le petit sort de rage, hein. Bah oui, on va le mettre le petit sort de rage. Bah oui, on va mettre le sort de rage. Oh, bah regardez-moi, tiens, on lui pète la tout tour, hein. On lui pète la tout tour, le petit. Oh là là, ça fait mal. Regardez-moi ça, ça descend. Et voilà, c'est fini. Salut, mon petit. Ah, j'adore ce jeu, tu vois. Quand il y a des trucs comme ça. Mais bon, ça reste un jeu de compétition et j'ai horreur des jeux de compétition. Mais malgré tout, quand tu fais des actions comme ça, c'est génial. Voilà. Oh là là là, Redfish, je t'ai exp...
boule l'oseille. Et ça fait plaisir. Et franchement, j'ai envie de vous dire de ne pas dire de gros mots. C'est limite impossible. Parce que la plupart du temps, j'y pense même plus, tu vois. Et du coup, j'ai peur que des fois, j'en ai dit. Bon, voilà. Des fois, tu sais, genre un p'tain ou un... Enfin, des petits trucs comme ça. Enfin, bon. C'est pas très grave, mais quand même, essayons quand même de voir. Bon, il faut juste que j'y pense. Voilà, une fois que j'y pense, après, normalement, ça le fait. Donc, du coup, moi, je vais dire tout de suite pour faire une deuxième attaque. C'est parti. Allez, c'est parti, les gars. On est contre un petit niveau 8, ça fait plaisir. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire petite bonne chance. On ne met pas un petit sourire parce que sinon, il risque de croire que je me fous de lui. Voilà, voilà. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va envoyer du molosse de lave juste là. Voilà, j'aurais peut-être dû envoyer tout ça à gauche. À droite, je veux dire. À chaque fois, je confonds sur Clash Royale gauche et droite. Je sais pas pourquoi, tu vois. C'est bizarre. À chaque fois, je dis à gauche alors que c'est à droite. Et à chaque fois, je dis à droite alors que c'est à gauche. Et c'est vraiment quelque chose. C'est bizarre, tu vois. En vrai, tu vois, je connais ma gauche et ma droite. Je suis pas, non plus. Bon. Voilà, j'ai un minimum de. Comment ça s'appelle de. Ah, comment ça s'appelle. Tu sais, quand tu connais des choses dans un domaine. J'ai un minimum de savoir dans ce domaine, tu vois, j'ai appris ma gauche et ma droite, donc ça va, y a pas de souci. C'est juste que je me trompe dans le Clash Royale, c'est... Bon, voilà, quoi. Non mais, voilà. Bien, par exemple, parce que, voilà, faudrait pas que des gens le prennent mal, je dis pas qu'il y en a, ils sont débiles parce qu'ils savent pas sa gauche et sa droite. C'est juste que, imaginons, par exemple, là tu me demandes un truc dans le nucléaire. C'est sûr, c'est pas au même niveau, mais malgré tout, ça reste quand même la même chose, c'est du savoir ou du pas savoir. Donc tu te demandes quelque chose dans le nucléaire, je vais te dire, bah je connais rien, tu vois, je sais pas ce que c'est ça, tu vois. Et bah il y en a, ils ont pas appris qu'est-ce que c'était une gauche ou une droite, et ils vont dire, bah je sais pas ce que c'est ça, et ça, voilà, ils vont pas pouvoir distinguer ou quoi que ce soit. Et puis voilà, donc voilà, c'était ma petite explication du jour. Alors par contre là je suis en train de me faire, mais alors mais dézinguer. Heureusement que je dézingue aussi un peu, parce que sinon je me sentirais un petit peu faible, hein. Bon. Disons que ça passe. On va mettre de la gargouille. De toute façon, on n'a pas encore le Molozov, donc on en profite. On défend un max. Voilà. Bon. donc ils ont toujours pas arrangé le fait que les troupes ils partent avant de tuer l'ennemi. Je sais pas pourquoi. Ils partent avant de tuer l'ennemi. Tu vois, tu sais pas pourquoi. Donc des fois ça met un coup de plus ou des fois ça, je sais pas, ça fait n'importe quoi. Enfin bon, je trouve ça vraiment un peu énervant. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire. C'est qu'on va envoyer notre petit molosse. Et là, on va envoyer de la horde de gargouilles. Si, on va envoyer de la horde de gargouilles. On va envoyer de la horde de gargouilles, tranquillou. On va détruire tout ça. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, faire ça. Vous inquiétez pas, on va survivre. Et on va mettre un. Comment ça s'appelle ? On va mettre un. Je sais même plus comment on s'appelle d'ailleurs. Un sort de rage. Voilà. Et j'avais oublié. Petit sort de... Mais non, le sort de rage, pourquoi il est là-haut ? On s'en fout, on s'en fout ou pas? Mais on s'en fout complet. Bah, t'as vu, regarde les roquets de lave qui sont partis à côté. T'as vu ça un peu? Six enfants, hein. Bon, franchement... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, super combat et puis bonne chance pour la suite, mon petit. Oh, mais vous avez vu ce qu'on a fait? Vous avez vu ou pas? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais, enfin, vous avez vu quand même. Attends, oh. On était là, le mec il... J'ai cru quand même que j'allais partir en lambeau, mais j'ai réussi à bien défendre avec ma horde de gargouilles et ma Valkyrie. Et puis après, vraiment, tu vois, je mets le sort de rage, et puis là, bah, en fait, je touche la roulette en même temps. Et ça fait n'importe quoi quand on touche la roulette, donc du coup, ça l'a mis à côté. Et puis j'ai quand même réussi, quoi, et franchement, étonné, quoi, ça fait plaisir. En plus, il a tiré ses flèches, mais n'importe comment, du coup, ça fait encore 10 fois plus plaisir. Et franchement, c'est magnifique. Franchement, j'ai envie de te dire, il y a des fois, on a des actions comme ça fait vraiment plaisir. Et donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à tout de suite pour le coffre à couronne, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars, on se retrouve pour une petit coffre à couronne, c'est parti. Mais non, pas ça, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? 375 d'or, les gars. Vous voyez, je vous avais dit qu'on était à 4000. Ah, j'avais raison. 2 gemmes, ça fait plaisir. Petit à petit, on augmente. 3 archers, ouais, ça fait plaisir. Et 12 mini-géants. Non, mini-géants. Mini-vers. 12 mini-vers, ça fait plaisir. Et 32 d'or de gargouilles. Oh là là, mais si tu pouvais me donner à chaque pack opening autant de gargouilles, ça ferait plaisir. Et 5 sorciers. Et bah ça va. Ça va, 5 sorciers, ça fait plaisir. Bon, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais essayer sur ce. Hein. Non, mais on va se quitter là.
Donc ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Hein, on s'est fait une petite attaque du jour. Assez... Qu'est-ce que je dis? Oh, je suis fatigué, laissé tomber. On s'est fait un petit pack opening assez sympathique. Enfin, entre parenthèses. Et puis après, on s'est fait deux petites attaques plutôt pas mal. Et après, on s'est ouvert le petit coffre à couronne, comme d'habitude, pour bien finir. Et puis voilà. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.